Et salut à tous, c'est Akato87 et bienvenue pour la suite de The Last of Us Part 2. Bienvenue sur le live pour ceux qui sont sur Twitch et bienvenue sur YouTube pour ceux qui verront les vidéos. On est parti, on se retrouve sous une douche artificielle. Regardez, oh là là, on va se rafraîchir un peu. Hop, donc on est Abby, on joue Abby depuis quelques heures. Abby jour 1 Seattle, je suppose qu'on est en fin de jour 1. Et nous sommes arrivés enfin à l'aquarium parce que Abby recherche Owen. Et on avait regardé son sac la dernière fois. Et il y avait des traces de sang sur le pull. Donc on est reparti à la recherche d'Owen et de savoir ce qu'il s'est passé. Où es-tu Owen? Owen, montre-toi. Allez, on active tout ça. Je finis mes réglages, ça c'est bon. Hop, hop. Allez, c'est parti. On va essayer d'en prendre un peu plus. Il y a eu, je trouve, des longueurs. On va pas dire qu'on s'est ennuyé, évidemment, on va pas dire ça. Mais il y a eu des longueurs, un petit peu avec Abby. Des fois, on n'a pas compris des choses. Pourquoi cette scène et pas une autre? Bon, on va voir où ça va nous mener. Mais c'est un peu déstabilisant, je le répète. Hein. Je l'ai déjà dit 3-4 fois. De jouer Abby alors qu'on est sur quand même du Ellie Joël. Mais bon, les scènes d'action sont quand même très très bien. Hein. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre. On entend de la musique. De jouer que Abby pendant un petit moment. Là c'est fermé. Food prep. Je dirais préparation de nourriture. C'est de la cantine et tout. Pourquoi elle a une brique? Déjà faisons, ouais, faisons le bilan. On fait le bilan. Faisons le bilan des munes. C'est pas la folie. J'ai un pompe ou j'ai qu'une seule balle. Non non, c'est lourd. C'est encore lourd. Les kits c'est bon. J'ai 3 sur 1. Donc ça c'est bien parce qu'elle permet, elle peut se, elle peut faire des sur 1 elle par exemple. Là j'ai 28. 28, je peux rien faire avec 28 les gars. Si je peux faire ça. Confection rapide. Réduit la moitié. Réduit de moitié le temps de confection des objets. On s'en fout un peu, hein. Je vais te dire. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'ils nous font là? Owen! Ah, on va éteindre ça déjà. Ok. Owen, oula, il est dans la bouche du requin, Owen. Owen! Tu t'es fait bouffer! Mais ça va, il s'est bien régalé, le Owen, là. C'est lui qui a fait ça? C'y était pas, ça, quand j'étais venu pour jouer aux flèches et tout. C'était bien là. Ah, ouais, je reconnais. Je check hein, s'il reste pas 2-3 trucs à récupérer. Parce qu'on est quand même pas foufou en munitions comme d'hab dans le jeu. De toute façon, je viens de là. C'est quoi ça? Une bouteille, on s'en fout. Ouais, on va devoir aller là-bas, hein, de se jeter dans la gueule du loup. Enfin, c'est pas la gueule du loup, ah, du beer pong. La gueule du requin, du shark. Ok. Là, il y a un câble, je vois. Deux câbles d'ailleurs. Allons-y. Je vais quand même prendre un pompe. Au cas où il y aura un stromon qui débarque. Ok. Clear. Pas touché. Donc on ressort totalement là. Ah oui, dans le bateau. Oui, le bateau qu'on avait visité, ok. Owen! Bah il a raison, il se met bien, hein. Il y a un lit et tout. Il serait bête de ne pas y aller, quoi.
On va le déranger peut-être. Owen ? Ça, c'est vraiment cruel. Isaac t'a chargé de me retrouver ? Pas du tout. C'est quoi tout ça ? Faut bien que je le démonte, si je veux le réparer. Je vois. T'en veux ? Sans façon. C'est toi qui vois. Danny est mort. Je m'en doutais. Et ouais. Tu peux me dire ce qui s'est passé ? On était en train de démanteler un camp. Juste quelques scars et... J'en ai frappé un à la tête. Fort. Alors il s'est écroulé. Son arme était à portée de main. Mais il n'a pas essayé de la prendre. Au lieu de ça, il me regarde. Et je vois qu'il est vieux. Et qu'il est fatigué. Il avait l'air... d'être prêt. J'ai tué un paquet de scars. S'est mis à gueuler dessus. Je lui ai dit que j'en avais marre, qu'il avait qu'à le faire lui-même. Et là, il pointe son flingue sur moi. Alors je l'attrape et... Et bim. Au début, je savais pas lequel de nous deux était touché. Tu t'es juste défendu. Arrête. Je vais arranger tout ça. Je parlerai à Isaac. Je suis fatigué, Abby. J'en ai ras-le-bol de défendre un putain de territoire dont j'ai plus rien à foutre. Je vais à Santa Barbara. Ah oui, c'est pas pareil, là. Quoi, à cause d'une rumeur ? C'est plus qu'une rumeur. Non, les Lucioles sont pas là-bas. C'est fini. C'est une piste. Faut que j'en sache plus. Et pour Mel ? Elle est en sécurité ici. C'est ça. On en reparle demain quand t'auras des cuvées. Pas ça. Faire quoi ? Me traite pas comme un cinglé. Je sais que tu penses comme moi. Si les Lucioles sont vraiment à Santa Barbara, je préfère me barrer dans la direction opposée. Désolée d'être adulte. Tu devrais essayer. Ah oui, comment je fais ça, Abby ? Je devrais chercher ceux qui ont tué ma famille ? Les massacrer ? C'est long, là. Je pourrais les torturer jusqu'à ce qu'ils pissent. Abby.
Ah oui. Fermez les yeux. Mais il manquait plus que ça, oui. Fait un cauchemar là. Ah oui. C'était les deux personnes qui l'ont aidé. Elle est ravagée lui dans le dos. Ouh. Corde. Elle n'est pas passée loin. Allez, jour 2, on en était sûr, on était bien à la fin de ce premier jour. Donc jour 2, hier on a fait un jour entier quasiment. Non, bah quasiment. Quasiment, on avait déjà commencé un peu avant. Allez, c'est reparti. Alors. Déjà, elle sort d'où là? Mais qu'est-ce que je fous? Ce sont des putains de scars. Ils sont où déjà les scars? Doit être en face de nous là. Ils sont pas là, hein. Ouais. Déplacés. On l'a fait normalement, hein. Et ça repop pas, y a pas des trucs qui repop quand même, non. Par contre, je les ai pas vus ces scars, je les ai entendus, mais je les ai pas vus, hein. Ça va être chaud là parce que j'ai pas beaucoup de munitions. Quoi? Non mais il a pris dans la tête là! Non mais. Non mais. Et j'ai des problèmes de vision ou quoi là? Eh salut! Vas-y, monte. Où elle est passée? Non mais, même les balles passent à travers là, y'a un blâme. Là elle est à côté. Ah oui d'accord, lui il monte comme ça, tu sais. Il a pas de palier. Je préfère mourir je crois. Je préfère mourir, ouais, tue-moi, vas-y. Tue-moi parce qu'il y a eu des trucs bizarres. Vas-y, tue-moi. Merci. Non, même pas mort, encore. S'il vous plaît, tuez-moi monsieur. Ok, bon. Donc la balle pleine tête en face de lui, ça le tue pas.
Allez, c'est bon. Je vais me casser par là-bas. On m'est saoulé. Hop là. Arrête les gardiens. Ah, ils m'ont remis des trucs. Oh, ils sont tous là-bas. C'était l'infidèle. Au moins, je sais qu'il est vivant. Ok, mais regarde, je vais passer comme ça. La pauvre. Allez, rentre chez toi. Il donne pas de balles, lui. Tout ce bout là-bas. Putain, il me casse les pieds, lui. On nous attaque. Là, venez de ce côté. Il a bien pris là. Je pense qu'il est mort là, il a bien pris en pleine tête, hein. On a de la compagnie. Ok. Tiens, c'est cadeau. Et l'autre est couché là. Putain. Non. Raté. Il est caché là-bas, l'autre. Il arrive. Elle arrive. Ils sont deux. Ah, j'ai perdu. Traquez-la. Tu peux ramper lui, non? Ok. T'aurais un pi! Merde, je te passe. Ouais, j'aurais dû me lever plus tôt en fait. Je voulais faire un peu de beau jeu là en étant dessous là, mais non, non, non. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Allez, à boule! À boule les munes! J'ai besoin, les gars. Oh, y'a rien, y'a rien, y'a rien! Ah, c'est le déch! Attends, attends. Peut-être faire un sur-un d'abord. Ça plus judicieux. Ok. Je peux le prendre du coup. Là j'ai 3. Là j'ai que 1 hein. Sur la machette, il me reste que 1. Bouteille, j'en avais pas. Y'a rien qui traîne, non? Bah ça a été fait à l'aller, donc je pense pas que... Après j'ai pas tout fait au milieu, hein. J'ai des bêtises parce que j'avais dit, ah mince, j'ai pas looté au milieu. Je crois que c'est là que j'avais dit ça. Ah bah voilà.
C'est vrai que je peux récupérer le carreau là. On va passer par là, je vais aller vite fait regarder là. S'il n'y a rien qui traînasse. Ouais, j'étais passé comme ça exact. Tac tac. Ouais, j'ai rien raté vraiment. C'est vraiment pas fou. Allez, on va là. C'est pas l'entrepôt par où j'étais passé, si, tout à fait. C'est pareil, on refait le truc à l'envers. Alors j'avais peut-être laissé des trucs, du coup, que je pouvais pas prendre. Par contre là, les tiroirs devraient être ouverts, quoi. Parce qu'il me semble bien que c'est exactement là hein, que je suis passé. Bon ben l'établi, je dois pas avoir grand chose hein, de toute façon. Je dois pas... Ah, 68 quand même. Je dis une bêtise. Je peux faire une petite stabilité là. Pompe, on peut faire les dégâts peut-être. Arbalète, on peut mettre même une lunette, mais moi je n'ai pas vraiment envie. Capacité aussi du fusil. Ça peut être pas mal. Mais des dégâts aux pompes. Ça ferait quoi là les dégâts aux pompes là? Voilà. Plus 30. Plus 30. Et fusil. Ouais, c'est super cher fusil. Rappelle de dire. Vas-y, on va finir déjà le pompe. Enfin finir. One shot avec peut-être one shot là. On va l'essayer. Waouh. Ah ouais, quel boulot. Ouh, ça va faire des trous. Vas-y, regarde-le. Dommage, j'aimerais bien voir le bout là-bas du coup, on peut pas. Zoomer, mais on peut pas après. Allez, go! Nice! Oui, il reste. Ouais, il reste bien. Il y avait des trucs de vie là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. J'espère qu'ils sont encore là. Par contre, qu'est-ce que je dois faire avec eux? Aller voir les deux. Ah oui, la mère et la fille. Le fils et la fille. Oui, ça y est. L'asiatique, là. Je sais plus du tout où c'est, mais... What? Attends, je suis paumé, là. C'est par là que je suis arrivé, oui. C'était dans la cabane de chantier, là. Oh, c'est ouvert. Il y a eu de la baston. Ils sont partis, normalement. Petit, vous êtes encore là? Yef, c'est peut-être un grand que tu vas trouver là. Oh gamin! Gamin! Calme-toi gamin! Comment va ta mère? Désolé. Pas bien. Elle est pas d'aide quand même. Non, elle est mal, elle est mal, elle est mal. Oh le bras, il doit être horrible. Oh là là, mon Dieu. Oh ce bras. Je dois bouger ton bras.
putain. Mon Dieu. Sur moi. Où est-ce que tu l'emmènes? Suis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Il lui reste une solution. Ah, c'est amputé, hein, ce rythme-là. Elle va faire une septicémie et tout, là. Brrr. Ah, ok, aquarium. Bah, il est dans son bateau, Owen. Tu l'as laissé dormir. Hé, hey, Owen, debout. Je suis là. C'est Descar. J'ai besoin de matos pour la soigner. Allez, allez, allez. Baisse ton arc, c'est bon. Baisse ton arc. Tais-toi. Laisse, baisse ton arc. Tu fous, lui. Alice. Lève, baisse ton arc. Tout va bien. Putain, il a une cicatrice, gamin, là. Ils m'ont sauvé la vie. Même elle. On va l'examiner. Pas bouger, Alice. Ça s'appelle Ira. Qu'est-ce qui a fait ça? Un marteau. C'était pas moi. Oui. Je confirme, hein. C'était horrible d'ailleurs. Mon Dieu, quelle violence. Oh là 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 là. Tu sens quelque chose? Yara. Non. Je voulais le nettoyer et le remettre. L'os est en miettes. Elle a le syndrome des loges. Il va falloir couper. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut amputer. Yara est un soldat. Elle a besoin de son bras. Si on fait rien, il va se gangrener. Je veux juste que la douleur s'arrête. Pitié. On va pas voir ça quand même. Qu'est-ce qu'il te faut? Une scie. Une scie, des sutures, un clamp, des antibiotiques. Mais on n'est pas dans une situation idéale. Allez, je vais aller en chercher. On a des couteaux, du feu. Pour couper en cautérise. Ah oui, à l'ancienne quoi. À l'ancienne. Il faut traiter, il faut l'antibio quand même. Fais-moi une liste. J'irai à l'hôpital chercher ce qu'il faut. C'est un jour de route. Je m'en fous. C'est pas le problème, Abby. Elle pourra pas tenir aussi longtemps. Et si je t'y amenais en 2 heures? L'hôpital des Wolves, c'est ça? À l'ouest? Comment? Souterrain? On a des passerelles. On les construit pour éviter les zones inondées et... vous évitez, vous. Ça peut tenir 2 heures? GG. Peut-être, oui. Allez, go, 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 go! Attends, t'es sérieuse? Les SCAR utilisent ces passerelles. Ils n'envoient que des petites équipes. On va se battre. Des petites équipes, tu vois. C'est pas une blague. Lève. On va se battre. Puisse-t-elle te guider, puisse-t-elle te protéger. C'est bien sa mère ou quoi, là? Je crois, hein. Abby. Allez, Abby et Lève. Vont équipe, maintenant. Allez, gamin, je te suis. Quoi? Attends. Quoi? T'as piqué mes clés? Désolé. Je peux te parler. Vas-y. Pourquoi tu fais ça? Elle s'est pointée sans prévenir. Ok. Elle sait pas pour hier soir. On s'en fout d'hier soir. Toi peut-être. Ah, les sentiments. Vous nous fatiguez. Nous, on veut la guerre. Allez, allez. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. On s'en va, nous, avec Lev. Fais pas de conneries, ok. T'inquiète. T'inquiète, j'ai les muscles de Rambo. Ah, en plus, ça les enferme. Ah, bah bien. Comme ça, au moins. Bon, allez, go. Montre-moi où c'est. C'est là-haut? Let's go. Ouais. On peut dire ça.
On a de la chance que Mel ait été là. C'est un des meilleurs chirurgiens de Seattle. Mel. Et comment il s'appelle, lui? Ah, on passe dans les bois. Owen. Lourd, lourd. Owen. Ami. Je te suis, gamin. La passerelle est là-bas. Le chemin là, on y va, centre-ville. La route, okay. Elle part du bord des rapides. Conduis-nous là-bas et je prendrai le relais. Ce que je veux, moi, c'est des munitions, Gamin. Ouais. Ouais. Gamin. Tu peux me trouver des munes? Quelques heures seulement. Je m'en pas. Okay. Attends. Regarde. Hop là. Si tu pouvais m'aider à looter, déjà, ça serait pas mal. On gagnerait du temps, là, parce que, tu vois... J'ai que dalle. Ah, c'est tout? Il y avait que ça, là? Non, mais non, les gars. T'es où, gamin? Ah, t'es là. Attends, il y a un camion vert. Ah, il faut observer quoi? Merde. C'est l'immeuble, on dirait. Okay. Ah ouais? Je le vois. Ok. Attends, hein. Attends-moi quand même. Qu'est-ce qui se passera si on récupère pas le matériel? Eh ben. C'est de l'autorité avec Owen, assurément. Ce serait pas l'idée. Attends, on peut y aller là? Ouais, oulolo, on a failli rater ça. Ouais. On a failli rater le coiffeur barbier. Bon, y'a rien. Petit ciseau. Et filez-moi des balles, les gars, quand même. Qu'est-ce que c'est ça? C'est vrai que mon chien savait jouer aux cartes aussi. À la table des chiens. La taille d'un gamin de 8 ans. Le chien qui fume et qui joue au poker. Ah, une pièce de collection, Nevada. C'est quand trop de pression s'accumule dans tes muscles. Le sang circule plus correctement dans les tissus. Ouais, c'était pas fou là. Un genre de peau à l'intérieur du corps. C'était quoi? Haircut, $20. Enfant et de 10 ans et de moins 15. Les seniors plus de 65, 15. Clean up. C'est quoi, du shampoing? 10. Shaves, c'est rasage. 20. Et beard trim, je sais pas ce que c'est. C'est la barbe. 12. Beard. Trim, par contre, je sais pas ce que ça veut dire trim. Allez, on y va! T'es où, gamin? 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 Ah, gamin! Il est là, gamin! Oh putain, je te voyais plus! J'arrive, hein? Hop là, regarde! Toute l'aisance de la femme! On va où après? Tu veux qu'on t'entente là? Allez, vas-y! Oh, pas besoin d'équilibre! Il y a une porte là! Ah merde, il y a un code! Une minute! Tu connais? Pourquoi tu dis une minute? Oh, GG! Mais t'es en boss! Cool. Merci beaucoup. Bien. Par contre, trace pas devant, mec, parce que... J'espère quand même qu'il y a de quoi manger, là. Alors, des balles. Pff, des médocs. Médocs. Oh là là! C'est l'enfer. Ok. Ah, attends. Niveau des... Ouais. Alors, qu'est-ce que j'avais dit que je ferais après? Que je regarde comme il me faut. La durée de l'élan est prolongée. Vitesse de déplacement tout en visant. Cartouche. Bon, on ne gagne qu'une, c'est pas fou. Santé, ça pourrait être pas mal quand même. On va avancer sur ça. Faut qu'on ait le truc de santé bientôt.
liste de matériel d'amputation. C'est vrai, j'ai même pas regardé ce qu'il fallait. Alors, antibiotiques, scalpel, scie, maillet, curette, ciseaux de dissection et de découpe, clamp, gaz, bandage, adhésif antidouleur, kit de suture. Et ben c'est lourd, ouais, c'est lourd sur lourd. Ben on y va, gamin. Je vais le casser pour le plaisir. Mais y'a rien dedans. Hein. Quoique je suis con, j'abîme. Non, j'abîme pas mâche en faisant ça. Hop là. Attends, on peut aller en bas? Est-ce que ça vaut le coup? J'ai pas l'impression. Ah oui, c'était par là, pardon. Excuse-moi, gamin. Oups, oh, je vais tomber. Putain. Heureusement que ça fait pas mal, hein. Allez, j'arrive. Ça va, ça va. Ouais. Appelle-moi Abby, hein, parce que... C'est bon. Merci. Hop. Ah merde, on peut aller en face là. Bon, essayons de voir si on peut grimper là-haut. T'es déjà allé sur ces passerelles, pas vrai? Ouais. Tu crois qu'on va croiser beaucoup d'escars? Séraphite. J'en sais rien. Si on en croise, tu pourras gérer. Hier, j'ai géré. Ouais, mais ces types te pourchassaient. Ils nous pourchassent tous. Sauf pas l'ascenseur. Ok, ben monte alors. Allez, viens. On y va. Attends, je prends mon pompe 100 balles quand même. On peut pas aller plus haut, hein. La poudre, toujours pas de balle quoi. Lecteur DVD. On peut passer par là, hein. Paplard. Sauvez-moi, pas pitié! Envoyez-moi n'importe qui, un wolf, un séraphite ou autre, je m'en fous. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je me balafrerai. Je descendrai des connards de la Fedra. J'en ai rien à foutre. Je veux pas crever ici. Je vous en prie, aidez-moi! S'ils me trouvent, ils vont me tailler en pièces. Bon. Il s'est mis dedans, le Zozio, là? Pas casse. Bah, vas-y, on passe. On va passer à côté là. Il est dedans l'autre. Ouais, dedans. Il est dedans. Petit tissu. Petit peu de métal. Un cutter. On monte. Il y a une échelle, hein, pour monter sur le toit. Allez, go. Y a rien d'autre. Du coup, je peux faire des balles de pompe explosive. Je peux faire. Là, j'ai deux bombes.
vais me faire ça parce que du coup ça me fait 2 balles de pompe quoi. Ok. On saute en face là, ouais. Pas se louper mec hein. Alors attends, mais encore, elle a encore. Hein. Meshigidio. Ok. Bon allez go. Je passe devant. Oh merde. Pourquoi tu cries oh merde? Là c'est. Là c'est haut là. Ça va. Là c'est haut. Je te dis que ça va. Elle a du vertige. Elle a du vertige la dame. Allez go. Viens avec moi. Normalement c'est moi qui devrais te suivre hein, mais bon. Attends. Est-ce que j'ai... Non. Ah non, c'était le truc... C'était le truc là. Ok. Ok. On a vu. Très bien, on est content. C'est toujours la même chose. Bon, on approche de ton immeuble. Oh là là, va falloir qu'on monte par là-bas. Oh, je le sens bien, ça. Par contre, c'est par là qu'on va rentrer, hein. Ouais. Go! Ah, on pouvait ouvrir. J'ouvre après moi. Va falloir qu'on fasse quelques détours. Jeu de rôle. Ça fait combien de temps que vous vous êtes enfui? 2 jours. Et vous comptiez aller où? Je sais pas. On voulait juste partir. Alors tu vas finir par me dire pourquoi ils en ont après vous? Je te l'ai dit. Ils veulent la peau d'un gamin juste parce qu'il s'est rasé le crâne. J'ai pas le droit. C'est la règle. J'ai des bébés. Pourquoi tu l'as fait, là? Je sais pas. C'est ton petit côté punk. Punk? J'ai l'impression que tu te fiches pas mal des règles. Y a des endroits infectés? J'imagine, ouais. Dans l'immeuble, faut faire gaffe. Alors... Chère voisine, nous, c'est Sam et James. On habite au 302. On savait pas qu'il restait des gens ici. Faut pas avoir peur de nous. Voici un petit quelque chose fraîchement sorti du four. Sam. Merci pour le pain de maïs. Ma mère m'a dit de vous donner cette bouteille de vodka. J'espère qu'elle est bonne. Pourquoi vous n'êtes pas parti en quart avec les autres? Moi, c'est Julia. Ma mère s'appelle Heidi. Julia. Où t'as trouvé cette vodka? C'est génial! On est resté parce qu'on a entendu des trucs horribles sur les refuges. C'est la loi de la jungle. Les gens se volent et s'entretuent. On a préféré tenter notre chance ici. N'hésite pas à nous dire si vous avez besoin de quoi que ce soit, ta mère et toi. Sam. Merci encore. Je regarderai si je trouve de la farine pour pain de maïs quand je sortirai. Ça a changé ma vie. C'est gentil de proposer d'aider ma mère. Ce ne serait pas de refus. Je vais sortir chercher des provisions, mais je reviens ce soir. Vous n'aurez qu'à frapper, Julia. Les Scars ont vu James cuisiner sur le toit et l'ont abattu. J'en ai tué 2, mais le 3e a filé. Je laisse notre porte ouverte et quelques réserves dans mon coffre. Le code, c'est mon numéro d'appartement, puis le vôtre. Ah, alors 302. Alors 302. Et prenez tout et sauvez-vous, Sam. Je ne peux pas abandonner ma mère. Je vais barricader notre porte et croiser les doigts. Vos affaires sont toujours dans le coffre. Je ne sais pas tirer. S'ils arrivent, on lèvera simplement les mains. Julia, ouais, résignée à mourir, quoi. Du coup... Alors, attends, que je relise le début. Parce que si elle dit directement le numéro, voilà, quoi, je vais le noter tout de suite. 302... Chère voisine, 302, ok, bon. Ça marche. Il a rien dit. On va bien trouver. Hein. Salle de bain. Encore des médocs. Du papier, là. Alors, attends. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, j'utilise pas de papier, donc je ne peux rien faire. Ok, pardon. J'étais enfermé.
Ah, c'est pour sortir, je suppose, non? Pas du tout, c'est la chambre. Ok. Scotch. Putain, y a pas de balle. Une batte de baseball. 1, 2, 3, 4. Allez, on va la prendre. Je sais pas si cette hache se casse au bout du compte. Je pense. Parce que la batte en bois, c'est sûr. Il y a des mangas. Ah, c'est là où elle peignait ses... où il peignait ses créatures. Ses petits soldats. Salle de bain, c'est fait. Là, c'est la porte. On va ouvrir là. Je vais y aller un instant, je regarde ça. Toujours la PS3. C'est quoi le jeu là? Supernova Odyssey. ok, ça c'est clair. Je vais voir la chambre et après on y va. Liv. Pas comment on dit. Du papier. Ah, il y a le coffre. Il y a le coffre, mais il faut que j'aille voir. Il va y avoir des monstres là, je pense. Attends. Donc, c'est quasi obligé. 301? Non, c'est la porte est fermée. 303? C'est même étage, hein. Voisine. Je suppose que c'est le même étage. 303 non. 304 non. Donc c'est voisine du dessus du coup. Voisine du dessous. C'est galère là, votre truc là. C'est galère votre truc. C'est le toit. Buck. Déménagement. Ah, tu t'en sers. Ça je peux récupérer. De mon arc. Depuis toujours. T'es né avec quoi. Tu devrais voir Yara. Yara. Les gens sont parfois cruels. Ouais. Ma mère disait pareil. Au sujet des wolves. Oh, par contre, j'ai pas tort. Je sais pas si c'est par là ou il va falloir descendre. Pourquoi? Ils vont s'en prendre à elle à cause de moi. Pourquoi il y a ça là? Ok. On pourrait sauter pour aller là? Ok. J'ai vu qu'il y avait ça là. Ok. Il n'y a rien d'autre. Bon, on va redescendre. On va essayer d'aller au rez-de-chaussée. Essayer de trouver ces meufs là. Ah, on peut tomber là. Et là, ça va où là? Ça va à l'entrée. Ouais, ouais, ok, 303. Ça va presque chez nous. Ok. Tu viens, gamin? Ah, mais on peut pas! Ah, ouais! Merde! Donc c'est là, Wood. Mais elle a pas donné son nom, je crois. Kennedy. Sweet. Ça semble un truc de meuf, ça. Yakub. Bah, je sais tout, hein. 304, 303 et 302. Donc ça fait 300, 301, 303 et 302 on a dit. Non, 300,
34. Putain, je sais plus, les gars. Oh putain. Merde. J'ai pas bien noté. C'est 301, 302, 303, 304. Ouais, je crois que ça doit être ça. Donc ce sera 23 là. Automatiquement. Donc 01. Je pensais que c'était ça. C'est la voisine, c'est en face normalement. Mais bon, ça peut être à côté, hein, n'empêche. Ah ! C'était quoi déjà ? On est dans la bouse là, je crois. On va faire n'importe quoi. 30. C'était le dernier, hein, comme toujours. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon ? Du métal, des explosifs, 4 balles de fusil et 2 balles de pistolet. Ok, bon. C'est pas fou, hein, mais bon. Ok. Allez, on y va, Jojo l'Indien. Toi, 301. En fait, 304, c'est juste à côté. C'était 4. Et j'avais dit, hein, ça ressemble à un truc de fille. Hein. Ah ben, J, Julia. Oh, oh, oh. Ok, le cerveau, là. Cerveau, ramolo. Bon, de toute façon, j'ai que 3 choix, donc... C'est plus des papes trompés. Je suppose qu'on va aller en bas. Hein. Mais là, on peut sauter là. On devrait peut-être essayer de descendre. Ben oui, mais t'es là. Allez, viens. Yop là. Mais merci le jeu, hein, mais. Ah, les vilains sont là. Les vilains sont là. Ah, on doit passer dedans en plus. Oui, mais ça j'ai vu. Faut qu'on casse quoi. Parce que là c'est pas cassé hein. Quoi ? What? Ah ouais, j'ai même pas le temps là. Hop là. Oh. Attention. Là, je suis pris là. Oh, y a un vilain. Non, y a trop de monde. Cassez-vous. Attends. Hop là. Allez, rentre chez toi. Walter. Aïe. Putain, j'avais pas vu. Il a fondu. Non, il a pas fondu. Tu peux m'aider Ok. J'ai la team. Ça en est bien sorti, hein.
On s'en est bien sorti, tu vois, que ces deux balles de pompe là que j'ai fabriquées, ça a été très utile. T'as tué combien de séraphites? Oh, écoute, pas mal. Pas mal dans ma vie, pas mal. Je sais pas. Je vais m'en faire 4. Ah, il va me manquer de la bombe, mais c'est pas grave. Ok. Ok. Ah, il y avait trop de monde à un moment. Avec tous ces vilains là. Ah, t'as cassé tes flèches, bonhomme. T'as cassé tes flèches. Attends, on va y revenir après là. On va regarder les cuisines. S'il n'y a rien qui pourrait nous aider. Parce que. Bah écoute, on est preneur hein, sinon. Bon, il n'y a rien, apparemment. Je sais qu'il y avait des trucs là sur la route. Ah, c'était sa jambe. Voilà, une petite balle de pompe. C'est fort agréable. Un peu de soin. C'est fort agréable. Ouais, mais je suis déjà à 3 kits, donc le tissu pour l'instant ne va pas m'aider. C'est par là qu'il faut passer après? Des chances. Attends, j'ai pas fini. S'il y avait quelque chose encore, quand je suis passé, je l'ai vu en courant. Regarde-moi ce monstre. Regardez-moi ce monstre. Waouh, dégueulasse. Et sur eux là, ils avaient rien. C'est Fada là. Oh là, ils donnent que dalle, ils donnent que dalle, que dalle, que dalle. Il me semblait qu'il y avait quelque chose quand j'ai couru. Bon, j'ai dû le prendre en fait. Non, mais j'ai dû le prendre. Bon, allez, ben viens, on y va. Interbay. On peut aller là. On va traverser là et on va aller en face. Déjà, on voit qu'il y a quelqu'un qui est là. Ouf! Ça passe. Attends, je vais faire l'extérieur pour l'instant. Essayer de pas tomber. Fais chier. C'est qui? Je sais pas. C'est pas un wolf? On est des milliers, je te signale. Tu les connais tous, les Scars? Arrête de nous appeler les Scars. Ouais. Horace, Erin recherche farine, cigarettes, sel, fruits en conserve, dentifrice, tampon serviette, épices, donc cumin, origan, piment, curcuma, cannelle, etc. Ouvre l'œil, on a besoin des balles qu'elle propose en échange. La madame a des balles en échange. Il y a un escalier déjà, hein, on l'a vu. Où est-ce qu'il va nous mener dehors? Sur le côté, ok. De faire un petit tour, bonhomme. C'est quoi ces trucs de téléphone ici? C'est quoi Switch to Interbay Wireless. Électronique support. Je vois qu'il y a des supports partout, mais. Casque audio.
Ah, il y a un établi là. Je sens deux. Ok, on peut monter. J'ai pris ça? Ouais, si c'est fermé, c'est j'ai pris. On peut ressauter par là. Et aller en face. Allez, go! C'est un magasin d'opticien, Lève. T'es sûr que c'est le bon chemin? Ouais, cet immeuble va nous conduire à celui-là. J'espère pour toi. Après, je pourrais me remettre fou là. J'ai regardé là, ouais. Là, tout est ouvert. Là. Une petite d'alcool à le prendre et là on peut aller, ça fait ça va où là si on va là? Remonter? Je sais pas. Vous avez une porte aussi en haut donc. Je sais pas. C'est pas fou, hein, garçon, ce qu'il y a. Attends, il y a couteau. Je regarde si je peux pas faire. Ah non, c'est que j'ai plus de... Ouais, d'ustensiles. Ah, il me manque ça, ok. Dommage. On remonte maintenant, non? J'espère qu'on peut. C'est pas fou ce qu'il y a là. Oui, on peut. Allez! Je crois que c'est par là-bas normalement. Ouais.
magasin de vélo, les gars. À l'étage, un peu bizarre, mais bon. Pour rentrer ton bike. C'est peut-être pas un magasin de vélo, c'est peut-être une boîte. Plein pour les bouteilles. Ouais. Donc je peux pas trouver d'explosifs, je peux pas faire une nouvelle bombe. Allez, go. Merde, j'ai pas vu comment t'as fait. Je suis incapable de faire ça, moi. Il faut que je passe à droite. Faire le tour, si tu préfères. Ouais, oui, oui. Passez par là, moi. Le mec, il me nargue en plus, quand même. C'est un bon, lui. C'est un bon. Bon. Zou. Putain. Ah, il y a trop de tiroirs vides. Mieux pour lui. C'est quoi notre immeuble là? On le voit pas encore. Par là. Ouais ouais, je te vois. Impressionnant, hein. Okay. On est dans l'immeuble là? Encore monter longtemps. Tout va bien se passer. Ça veut dire oui. Oui. Emma. C'est pas si dur que ça. Ouais ouais, ouais mais bon. Moi je fais ça, je me retrouve en bas, un gamin. Ah, on est dans la salle informatique là. À diffuser. Les anciens ont convenu d'une trêve avec les Wolves. Ils ne viendront pas sur notre île et n'attaqueront pas les Séraphites en transit sur leur territoire externe. Pour préserver la paix, nous devrons tous coopérer. Nos objectifs restent les mêmes, il s'agit simplement d'un autre moyen de les atteindre. Classe. Ouais, classe. Bon. Pas de tiroir, y'a rien. J'ai pris un retour de porte là. Y'a rien dessus. Comment on a pu rater ça? Les Wolves lèvent jamais les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez beau être nombreux. Stylé. Plein d'armes. On trouve toujours le moyen de vous échapper. Tu devrais peut-être arrêter de dire on. Je te rappelle qu'ils essaient de te tuer. Le fidèle. Merde. J'aurais dû rester où tu étais, lui. Putain, il m'a eu avant. Quand tu veux. Hein. Oh, il prend même pas dans la tête. Oh, j'avais pas vu elle. Est-ce que tu veux t'enflammer?
Bah oui, hein. Tu ferais mieux... Tu ferais mieux de... J'ai pas compris ta phrase, là. Je ferais mieux de quoi, monsieur? Tu vas bien? Ouais. Je ferais mieux de quoi? Ok. Donc gardez le silence. Allez. Non mais attends, c'est quoi ça? Je vais t'aider. C'est quoi ce délire? Ça va, madame? T'as entendu comment ils m'ont appelé? Non. Tu veux pas me poser de questions? Est-ce que tu veux que je te pose des questions? Non. Ok. Attends, va pas trop loin sans lumière là, gamin, parce que dis donc, ils font mal là les scars. Tac, on jette le chargeur, on en reprend un autre. Belle animation. Par là. Ah, il y a notre escalier là. La salle de bureau à voir après. La salle de réunion. C'est 4 sur 4. Hein. Je sais jamais si c'est 6 ou 4. C'est 4. Est-ce qu'il y a quelque chose? Pas une bouteille? Non. C'est ça, on monte? Ouh lolo. Ça rigole pas là. Encore une statuette. On construit ça. Les séraphites. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt cool. Ça veut dire quoi, cool? C'est comme impressionnant. Génial quoi. Protège-les. Tu pries. Je me demande si votre prophétesse savait ce qu'elle allait déclencher. Elle a sauvé des dizaines de personnes. Et personne ne peut expliquer comment elle a fait. Elle a explosé des camions et tué des soldats. La voilà ton explication. Est-ce que t'as lu ses écrits, au moins? Quelques-uns. Ça prendrait beaucoup de choses. C'est ça. Ok. Pas de truc là, pas de tiroir. Un établi à l'ancienne. Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi une seconde. J'ai que 8, alors je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Oh mais attends là. Oh là, il y a du lourd là. Là, il y a du lourd là, les gars. Là, il y a du lourd là. Là, il y a du lourd. On a pris du lourd. Alors attends. Je pourrais rajouter un truc dessus là. Ah ben non, c'est fait. Oh, putain, chaque fois je me cours. C'est là que je voulais le voir. On est pas loin d'avoir la santé là. Donc allez, hop, on va le prendre. Comme ça, on sera pas loin.
Ok, bon, bah allez, on y va. 17, ouais, j'avais pas assez, donc on y va. Je passe devant cette fois. Elisabeth leur est reconnaissante, mais je ne pense pas qu'elles sont prêtes. Les anciens savent ce qu'ils font. Tout va bien se passer. Sur ta droite, elle ouais. a un arc. Bien sûr. Va falloir qu'on la fume direct, elle. Il saute pas là, lui, ouais, il saute là. Ils vont assez vite hein, quand même. Hein. Lui dans les escaliers c'est faisable. Hein. Il va falloir qu'on remonte par là. On va attendre qu'elle passe parce que si on lui met une fusée à elle. Parce que là on peut pas sauter. Ah si on peut sauter en face. Ah pardon on peut. Je comprends pas, c'est voilà, tu mets une balle, une flèche et pff, mec il meurt jamais quoi. Côté gauche. What? Faut deux flèches quoi. Ok. Oh là là. Avec ces fumées et tout, on voit rien. Ok. La quick scope, ça a pas marché. Ça a marché. Ok. Ok, il y en a un là. Ouh, t'as eu de la chance. What? Il y en a un autre qui arrive à gauche ou quoi? Que dalle. On prend. Non mais. Mais te mets pas devant. Oh là là. Ah, le gamin il se met devant quoi! Quand t'es en train de tirer sur l'autre! Putain! Oh, occupe-toi de la gauche là! Gamin! Bon! Ok, on fait ça, ça me va. On va faire ça comme des porcs, ça va me plaire. Voilà, très bien ça! L'air de lier au fond. Thank you.
Un timing de merde. Ah mais j'ai pas trop envie d'utiliser ça quoi, j'ai envie d'avoir la surprise, tu vois. Plus là, faut que je regarde. Il y en a au-dessus, en dessous. Attention, parce qu'ils peuvent monter dans notre dos. Hein. Ouais, je redescends parce que je suis pas. Il fait que ce... Ok. L'autre à côté. Il y a l'autre à côté, si on le fait tomber. Dessus. Bizarre qu'il fasse le même trajet, quoi. Quelqu'un est là ? L'autre est juste dessous, là. Gamin, pousse-toi! Oh là là. L'attraper. Mais pourquoi je peux pas l'attraper? Il y a notre gauche là, bouge bouge bouge. Et là-haut. Je pense qu'il y en a un qui va être là. Là ils sont tous au-dessus, il y en a deux au-dessus au moins. Hop, il est là. Vers la gauche. Voilà, il y en a un à gauche, j'ai vu. Dans les nouilles, dans les nouilles. What? Mais c'est quoi ça? Mais d'où il sort lui? Les ennemis, on les entend pas, quoi. C'est un truc un peu chelou, quoi. Bon, je l'ai vu là. Je crois que ça venait de cette direction.
C'est... Oui, ça venait bien de là, monsieur. Ou une dame. Abby, juste devant. Je l'avais vu, j'avais vu son manteau bouger. Merci quand même. T'attires d'où, là? T'attires d'où, gamin? Au-dessus? Tu veux que je l'écrame? On a dit qu'on cédait pas, hein, de l'aide. C'était pas de l'aide, ouais. Un peu français, ça. Ça siffle en dessous ou en dessus? C'est au-dessus, je pense. C'est le même truc. Il m'a surpris, lui. Il m'a surpris, celui-là. Hey, Abby! À notre droite! Headshot! D'où là? Tu peux surveiller un peu, gamin? Alors, attends, il me voit, mais moi je le vois pas du tout. Est-ce qu'il est dans le coin là? Ouais, en face là-bas, non? Nice. Te voilà. Hey, c'était bien plein de tête ça encore, non? Vas-y, viens, viens, viens. Ah, il y en a deux. Allez, montez! Oh, bien joué. Moi j'ai pas le temps de te voir. Est-ce qu'elle est au-dessus de nous vraiment? En face? En face ou là là? On prend pas l'aide. Ok. Nice. Pas d'aide, on a dit. C'est bien. T'en es où là? Waouh. J'ai jamais entendu un séraphite parler comme ça. Première fois que ça m'arrive. Eh ben lâche-toi gamin. Attends, je vais prendre ça là. Voilà, ça c'est utile ça mon gamin. Attends, je vais regarder tout ce qu'il y a en haut, on sait jamais. Voilà. Petite gougoute. Ok,
il y avait Scaliao. On va revenir de l'autre côté. Ah, il y a encore un pistolet là. Ok. C'était quoi ça? De la brique. Ah ouais, il y avait plein d'endroits, de toute façon. On va monter là-bas. Non, non, on est full. Full tissu. Bon, on va où maintenant? 5. Attends, laisse-moi deviner. 5. Grimper? Ouais. 5. Encore? On va grimper, on va faire son parachute ou quoi après? Parce que là. Attends, je trouvais des médocs là? Non, toujours pas. Je trouvais qu'il y en avait pas mal. Même dans les boîtes maintenant, les boîtes, les grandes boîtes à outils. Ah ouais, il y a un escalier. Ok. C'est un monte charge. Ouais. Il faut que tu baisses la porte. Ouais, ouais, je te le fais, t'inquiète. Merde. Ce qu'on avait vu au loin là. Mais je sens qu'on va devoir monter par des échelles et tout encore. Accroche-toi. Essaie juste de penser au bon côté. Au côté. Ouais. Je vais me mettre dans le coin là. Je veux pas voir, je veux pas voir. Arrête, arrête de me parler, arrête. Arrête, gamin. Ah! T'as chien t'arrive. Allez go. Oh bah c'était facile. J'ai pas eu peur. Tiens ça, de la prophétesse. Ouais. Je croyais que vous étiez contre l'électricité et tous les trucs démoniaques de l'ancien monde. On fait quelques exceptions. Ah ouais, ouais, ce qui t'arrange quoi. Pour les soldats. Ben voyons. Ce qui vous arrange, quoi. Ben voyons. Attends, je peux monter là, apparemment. Non, je peux pas. Si, je peux monter là-dessus, par contre. Je peux monter là-dessus apparemment. C'est là-bas que tu veux aller? Ok, mais moi je vais par là alors. Ouh là là, je sens que je vais tomber là, non? Ah, je peux pas! Merde, je croyais, j'ai cru. Je croyais que je pouvais monter. Ok, ok. Il fait froid, mais il y a du vent quand même en haut là, monsieur. Oula, il y a tous les escaliers. Attends, attends, attends. Je cherche s'il n'y a pas 2-3 balles là que un de tes potes aurait laissé.
dans cette zone de chantier. Ah non, il y a que dalle, que dalle. J'arrive. Ça souffle par ici. Attends, c'est quoi ce truc? C'est la passerelle. Suis-moi. Attends. Il faut que je prenne de la force là. Je sais pas si je vais y arriver. C'est plus facile que ça en a l'air. Ouais, mais il faut que je souffle. Oh, ça va, je tombe pas de haut. C'est bon, t'inquiète, je vais y aller à fond. Hop là, regarde. T'as vu un peu? T'y crois plus là. Oh, y'a un nid. Les gens passent souvent par là? Ouais. Tu mens. Non, c'est vrai. Enfin, c'est pas le chemin le plus emprunté. Oh, putain. Oh, oh là là. Oh là là. Tu peux regarder en bas. Ah bah ouais. Ah oui, d'accord, on passe... ouais, ok. Ah non, mais il faut que je saute là? Non. Oh purée. Je suis pas bien là, Jean-Kevin. Ah, je vais pas y arriver. Oh, bah, c'est une blague. Non, mais c'est une blague. Oh purée, Abby, qu'est-ce que tu fais là? Bordel. C'est jeté directement dedans quoi. Oh non, mais là tu m'as fait peur, Abby là. Tiens bon. C'est bon. Comment tu te sens? Pas très bien. Je peux te dire que je l'attends. La véritable force. Ça coule. C'est cool. Ça coule, il a compris lui. Aïe. Ça coule. Qu'est-ce qui se passe entre toi et ton ami Owen? Pose pas de questions. Pose pas de questions. Que c'était tendu entre vous. Avance. Ta goule, fais la poule. Ah, c'est bon, on est arrivé. Ouf. Allez, laisse-moi souffler 2 secondes, hein, parce que dis donc. On a fait les Jeux Olympiques, là. Pouf. J'ai réussi. Allez, bien. On peut prendre le temps de s'extasier devant mon exploit. Pas encore. Amène-toi, t'as mérité un câlin. Pourquoi? Tu vas voir. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il va me faire faire? Oh putain, lève! Tout va bien se passer, regarde-moi. Putain. Faut encore aller par là-bas? Oh là là. Fais que ça là! T'abuses là! Oh lolo! Ah ouais, mais là ça sent mauvais là, par contre. Oh. Putain! Ça passe! Comment tu fais pour pas avoir peur? Et me parle pas de la politesse! J'ai jamais eu peur du vide! T'as peur de quoi alors? De l'océan? Des chiens? On voit maintenant, on voit. Waouh, excellent. Oh là 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 là. Ah ouais. Méga passerelle en plus. Tu y es presque. Oh le délire. Oh le délire. Concentre-toi sur moi. J'y arriverai pas, Alain. Waouh. Allez, j'essaye. Je suis pas très bien, Je te le cache pas, je suis pas bien, Petit ninja là.
Ah ça, j'ai un sac qui pèse 32 tonnes. Ça c'est fait. Y a pas gros là encore. Ah, je suis presque. J'ai rien pour m'appuyer là par contre. Allez, j'ai la tête qui tourne. Ah, c'est lui qui va avoir peur là. Waouh. Tu es prête? Donne-moi juste une seconde, s'il te plaît. D'accord. Hôtel Black... Par où maintenant? Black Ray? Black Rav? Je sais pas. Comment ça? Black Ray. C'est le bon immeuble, mais j'étais encore jamais venue par ici. La passerelle conduit à l'arrière de l'immeuble. C'est la première fois que je viens là. Ok, bon. Essayons de trouver le moyen de descendre. Donc on a fait des bombes là. Non mais n'allume pas ça. Là on est bon au coup. On est 3 kits. Attends, on va faire le tour de la piscine déjà. Parce qu'on sait jamais si on trouve 2-3 cadeaux. Bien, on va les prendre. Impressionnante hein, la vue. Ça me rappelle, bah oui, Uncharted 4 hein, de toute façon avec les... les phases de, d'élévation. Il fallait monter sur des grands monuments, des grandes statues, des dans la jungle, hein, et on voit tout de haut. C'est ouais, une belle marque de fabrique de leur part. S'il y a que ça, alors on a eu de... Peut-être que c'était pas de la chance. Peut-être que si. Il y a des wolves qui croient en Dieu. Je les ai entendus prier. Ouais, ben pas moi. Si je meurs, ce sera pour ma pomme. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es revenu nous aider? La culpabilité. De quoi? Tu ne devais rien du tout. J'avais besoin de faire quelque chose de bien. Là, il y a des casiers là. Du tissu en pagaille. Hein. Par contre, les balles... Un petit peu d'alcool. Ok. Je pense que ça mène au même endroit que j'ai ouvert là tout à l'heure. Ouais, je pense. Wi-Fi gratuit pour les clients de l'hôtel. Mot de passe 12 18 79. Si jamais, c'est peut-être un code dans un coffre. Hein. On va le noter quand même. On sait jamais. Si tu veux t'entraîner, Bambino, c'est maintenant. C'est maintenant. Je suis pas sûr hein, que ce soit la même porte du coup.
Et un coffre. C'est bizarre. Et si on essayait le code du Wi-Fi? 12. 18. 79. Allez. 30 ans de gaming, je vous dis, 30 ans de gaming. Fermé. On descend par là. Si on rejoint la rue, on sera juste à côté de l'hôpital. Ok, alors attends. On va y aller après. Oui, elle est là, la porte, c'est bien ça. C'est bien ce que j'ai ouvert. On va aller checker là. Et on se barre. Attends, c'est quoi? C'est un distributeur là? Il y a quelque chose? Il y a rien. Ah, c'était celui-là. Ah merde, je suis con. Je n'avais pas vu. On va prendre ça. Il y a rien. Il y a rien là sur les tables. T'as pas quelqu'un qui a laissé quelque chose, non? Allez voir derrière. Petit couteau. Et une note. Alors. Please. Merci de ne pas laisser vos objets de valeur traîner. Ah ben. Pendant votre service, il y a un coffre dans le placard d'entretien du hall. Le code est le même que pour le Wi-Fi. Déjà fait, mec. Déjà fait. Allez, go! Tu suis, madame? Ouais. Allez, go. On avait dit 2 heures, hein. Pour rejoindre l'hôpital. Ah. Un cadavre. Oui. Fedra. Non. Non, ça Fedra. Regarde les vêtements. T'as une torche. C'est sombre là-bas. Ah, d'accord, je comprends. Seb, Victor et Irina sont morts. De nettoyer l'immeuble. Avery et Mali ont disparu. Et j'ai été mordu. Le nid est plus gros que l'on croyait. J'ai essayé de tout faire sauter, mais ces putains de détonateurs n'ont pas marché. Finalement, c'est l'incompétence de cette connerie de Fedra qui aura ma peau. Ok. Lev, il y a des infectés dans ce bâtiment? On prend toujours l'élévateur jusqu'en bas. 21ème. On a 21 étages à descendre. Descendre, c'est cassé. Si on saute. Tiens, mais elle est folle de s'approcher comme ça. Si on saute, on peut se faire mal. Des sports. Allez. Mets ton masque. J'ai pas de masque. Quoi? Ça fait pas partie de vos croyances? On a dû s'enfuir. Je vais voir ce que je peux trouver. Reste ici. Recule. Encore. Si tu meurs, je serai coincé ici. Prie pour que je m'en sorte, alors. Bon.
Je vais me casser la figure, moi. Merde. Toi, reste là-haut, ok? Un masque, lui. Enfin. Putain, elle est défoncée. Toi, si tu veux, mais bousille pas le masque. Connard. Gratuit. C'est là qu'ils sont. Putain, ça craint. Ils sont enfermés. Y'a pas de trou au plafond, là. Masque. Ah, ça va me péter dessus, hein, de toute façon. Faut pas se faire d'illusions, hein. Qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi? Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Rentre-toi, et... Les gars, vous êtes arrivés d'où, sérieux? Hop là! Et hop là! La double décale! Ah ouais, ils ont ouvert là, d'accord! Ouais, bah on reviendra plus tard! Je dois trouver mon pote! Waouh, waouh, waouh! Traverse, traverse! Hop là! Ouf! C'est là qu'il était, hein! C'est bon, gamin, j'ai trouvé! Oh, le stress! Tiens, c'est cadeau. Tiens, c'est pour Noël, hein! Allez, gamin, viens avec moi!
Il y a des vilains dedans. Ah, il a un couteau quand même. J'ai l'impression qu'il est mieux que moi, son masque. On perd du temps. Calme-toi. C'est pas en mourant tous les deux qu'on va aider ta sœur. Ah, c'est sa sœur, c'est pas sa mère. Ok, c'est sa sœur. Voilà. Bon, bon, on a la réponse. Il me semblait bien que c'était pas vraiment relation mère-fils, mais bon. On sait jamais. Bon, t'es prêt parce qu'il y a quelques vilains dedans. Et moi, regarde, j'ai zéro balle. Je vais être obligé de prendre l'arbalète. Quoique j'ai 15 ici, là. On va commencer tranquillou, hein. Attends, on peut passer par là, peut-être. Abby, t'en penses quoi? Ouais, ça marche. Ça marche, ça marche, on fait ça. Oh, j'avais pas vu. Merci, monsieur. Deux balles, bim. Allez, on monte là. Lève, viens descendre ça. J'arrive. Alors, on n'aura pas de mal à le propulser, lui. Hein. Le petit gars. Vas-y, envoie. Ah ouais, ok, c'est pour descendre. J'aurais bien voulu voir ce que t'avais au-dessus, mais bon. Bah allez, go. Go, parce qu'il y a toute une tripotée de monstres. Je vais aller voir en bas. Fais attention. Tu calmes. Allez. Allez, Abby. Tiens bon, Abby. On va tout en bas ou on se balance? Je suis en bas. C'est pas beau, hein. Ok. Et maintenant, On va devoir aller dans le trou, quoi. Que le courant soit calme. C'est par là? Non. Avery Hotel Blackway renferme un grand groupe d'infectés. Probablement ceux qui sont sortis de l'hôpital. Toi et ton groupe allez devoir faire sauter les fondations de l'intérieur. Utilisez les explosifs et détonateurs qu'on vous a fournis. Bonne chance. Wow. Si on retrouve ça, on fait péter le truc. Ça pourrait être smart. Allez. Non, lâche. Doucement. Des mecs en bas, apparemment. Alors, attends. Niveau des kits, on est bon. Là, je peux faire une bombe de plus. Ah non, il me manque de la poudre. Il me manque de la poudre, merde. Après, je peux prendre un kit, sinon je peux faire un... Bah, je vais me mettre bien. Je vais fabriquer un kit. Tac. 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 Et on va se mettre des médocs. Il m'en manque un. Pour avoir la santé accrue. Ça sort d'où ça? Attends, il y avait un mini. Il y avait un... deux balles de fusil à pompe, j'ai même pas pu les prendre. J'étais en train de grossir dans le mur. Jusqu'à ce qu'il me saute dessus. Je déteste les démons. Les démons gorgons. Je peux pas les prendre, on est d'accord, hein. Ah, ils vont mettre des trucs dans la douche exprès pour que je le casse, que ça fasse du bruit. Moi, j'aurais fait ça. Hein. No joke, j'aurais fait ça de ouf. Vas-y, Robin des Bois, là. On peut pas aller plus là. Hein. Ah si, on peut descendre. Voilà, de toute façon, on est obligé.
côté. Hein. À ton avis, combien d'étages on doit encore descendre ? Pas sûr de moi. Je sais pas. Quinzaine ? Il est grand cet immeuble. Bon, ça arrêtait au 19. Donc, quelques-uns, quoi. On en a... Ouais, je dirais une quinzaine, parce qu'on en a glissé quelques-unes. On peut passer là. Putain, ils me font peur. Quoi ? Il meurt pas avec... Deux coups de sur un, il part... Il meurt pas ? Attends, petit. Attends, petit. Même si on est coincé avec tous ces démons, c'était de l'humour. Ah. On est bon là. Très stressant. Hein. Bien joué. Lance-flamme ! Oh oui, ça, ça fait plaisir. Je peux même pas looter tranquille en fait. Ah ouais, ils ont décidé de me... D'accord, bon. On va se soigner, tranquillou. Regardez, il y a un kit en plus. Ah bah... J'ai bien fait de passer par là, quoi. Sinon, j'aurais jamais eu lance-flamme, en fait. Je suis en train de me dire. Ça, c'est smart, quoi. Il faut descendre là ? Ouais. Et après, là. On peut aller là. Ouais, on peut aller là. On peut. Dragon. Tu l'as dit. Okay. On est bon sur les kits. Ouais, ouais, on y va, on va pas traîner. Effectivement. Je suis d'accord avec toi, mon ami. Parce que là, c'est... Ouais, ouais, c'est gravissime, là. La vache. Par contre, oui, on peut. Quoi, t'as entendu là? Y'a un Stromon qui est pas loin. Hein. Pas
garçon qu'il est en face. Allez, go. Presque tout passé, hein, de... Il faudrait que je trouve des bonbonnes, mais lui, c'était un costaud, lui. Hein. Bon. Est-ce que tout va bien ? Lui, on joue pas avec lui, hein. Ouais, on peut changer, là. Attends. 1, 2, 3, 4... 5 et 5. Vas-y, 5 et 5. La barre. Je peux me refaire un petit silencieux. Niveau des surins. Je vais garder pour faire des surins. Ok, gamin. Bon. Il faut qu'on remonte, je pense. Ah oui, mince. On peut passer par là. Je déteste ça. T'inquiète. Y'a rien là. Ça fait pas un peu haut pour sauter là quand même? Allez. Bon. Attention, il y a un mec en face. Ah là, il fait pas un pli là. Il fait pas un pli là, mon gars. Attends, il y a des trucs là. Attends, je peux changer déjà au niveau des... Prendre ça. Tac. Alors, on a une meilleure santé. Voilà, l'arc s'est agrandi, donc ça c'est bon pour nous. 19. Je sais pas ce qu'on fera après, on va regarder. Je peux faire d'autres balles ou pas là? Ouais, je pourrais... Apparemment, c'est par là. Vas-y, passe devant. Ok. Essaye de check. Y a un mec mort. Bon. On avance. Mais est-ce que ça va? Ouais. Et toi? Pour être franche, j'ai connu mieux. C'est vrai qu'Isaac a éliminé celui qui demandait avant. Fedra, ouais. Il paraît qu'il torture les gens. C'est pas le moment de parler de ça. Ok. Ah toi, tu poses des questions, ouais. T'as déjà torturé quelqu'un? Lev.
occupe-toi plutôt de trouver une issue. Il y a en face là, mais ça va être trop, trop loin. Ah si, on peut sauter dessous là. Allez, go. On descend, mais bon. Pour aller là après. Pour fabriquer d'autres bombes. Regardez pour le surin. Ok. On peut encore descendre. On fasse gaffe là. J'ai pas trouvé de bonbonne pour recharger mon truc, hein, c'est dommage. Bon, on descend. Ah ben voilà une bonbonne. Voilà une bonbonne. Il suffisait d'en parler pour qu'on soit aussitôt écouté. C'est vrai qu'il jette des trucs. Gamin, je te jetais une brique. On a réussi. C'est un gros démon. Faut que j'éternue. Ouais, on l'a eu. On y va. Le temps de couper. Bon, on a eu le gros, comme il dit. Bon, on a bien géré. Une belle alternance de fusil à pompe explosif et de lance-flamme. Du coup, c'est pas mal. Du coup, on va essayer de looter pour récupérer 2-3 trucs quand même qui pourraient nous aider. C'est vrai que j'ai jeté toutes mes bombes, j'aurais peut-être pu refaire des bombes d'abord. Est-ce qu'il nous donne quelque chose lui?
Faire gaffe parce que je crois qu'on est pas du tout passé par ce côté. C'est bien ce que je me disais. Il n'a resté que sur la gauche. Non. Et toi? Non. T'es pas hyper convaincant. J'ai rien, promis. C'était dur, c'est tout. Tu t'en es bien sorti. Ok, j'arrive. Je check tout. J'ai démembré lui. Tout ça, on a checké. On va checker là. Ça, j'ai ouvert pendant la baston. C'était peut-être pas le meilleur moyen, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a une porte qui s'ouvre là? Non. Ok, gamin, j'arrive. On va monter. Oh, je suis plein en balle. On va descendre plutôt. Aide-moi. Cinquième. On y va. Putain, on a bien avancé, hein. Immeuble de merde. L'autre, j'ai dévergondé le gamin. Ouf, c'était juste. Tu le sens là qu'on va tomber. Qu'on va tomber grave là? Quatrième. Ok. Une pièce. Wisconsin. Une pièce de quoi? Quoi? Oh, de rien, gamin, de rien, de rien. Ah merde, il me manque toujours ces explosifs là. Dommage. Dommage, dommage. Si tu fais. Il y a eu un coup de hache là dans la porte. On voit l'extérieur. Hein. Ah, fait du bien. Tu peux retirer ton masque. Merci. Ça fait du bien de respirer. Je vais être obligé de tomber par là. Je peux pas aller en face du coup. Passer là par la terrasse. Écoutez, on va faire tout ce qu'il y a à droite d'abord. Ok. Tu vois l'élévateur juste là? Ouais. C'est le chemin qu'on aurait dû prendre. Pas d'infecté. C'est cool, Lev. Ouais, ouais. Je préfère qu'on raconte pas aux autres ce qui s'est passé. On est tout près de l'hôpital. Kara s'inquiète. T'inquiète. C'est cool comme frère. Je peux te poser une question? Vas-y.
Ah, il faut passer par là-bas. Tu regrettes d'être rasé la tête ? On n'est pas censé éprouver des regrets. Ouais, j'ose. J'aurais mieux fait de mourir. Comme ça, j'aurais pas mêlé Yara à tout ça. Elle serait chez nous, en train de s'occuper de notre mère. Votre mère, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle ? C'est notre mère. C'est notre devoir. Okay. Petite pièce encore. Rhode Island. Ok. Bon, ben on y va. On a fait le tour. Et vas-y, passe. La même chose hein, que t'écris. Oh, il y a une tour Eiffel. Jeu de société. Monsieur. Je sais pas, je connais pas. Les grelots. Attends, je check un peu parce que on sait jamais dans tous ces détritus là, on pourrait récupérer une petite balle qui pourrait faire la diff. On retrouve la végétation. On grimpe. On y est. On y est devant l'hôpital. Petit coup de snipe là. Pan. Tu vas m'attendre ici. Quoi? Mais pourquoi? Parce qu'il voudrait te faire la peau. Moi, Yacoba Gamon, je suis une menace pour eux. Le bac gamin. Je cherche pas gamin. Et entrer par devant, je chope le matos et je reviens. Toi tu restes ici. Ça marche. Ok. Ça marche, amigo. Il y a un mec en hauteur là-bas. On m'a pas vu, il est aveugle. Merde, il m'a vu. Wolf, tirez pas, c'est moi. Ah. Abby. C'est vrai. Abby. Abby. C'est Abby, merde. Salut. Elle est seule. Ouvre le portail. Salut les gars. Salut la team, ça va? Salut les gars. Ah ben, j'étais venu à la nage. Le bateau s'est renversé. J'ai besoin d'équipement médical. Je fais un boulot pour Isaac. On doit apporter tout ce matériel à Isaac. Qu'est-ce qu'il lui faut? Je peux pas vous le dire. C'est un truc en dehors de la base. On est en train de sortir et d'emballer tout le matos. Va voir si quelqu'un a ce que tu recherches. Elle est dans le coin, Laura? Hier, elle m'a dit qu'elle devait venir ici. Elle est partie avec le dernier chargement, mais elle va revenir. D'accord. Merci. Comment ils font pour attirer une nouvelle recrue? Peut-être qu'ils font un lavage de cerveau à tous ceux qui débarquent en ville. Il a de la chance, l'escar le trouve d'abord. Que le putain de traître. Salut les gars. Non. Abby. Ah, ça mange du burrito, les gars. Vous les répétez pas, j'espère. Ça mange que des burritos ici. Continuez comme ça. Allez, salut les gars. Bande de... hein. Oh, le toutou. Salut Grizzly. Il me fait venir jusqu'ici aussi.
bon toutou, ça. Bon chien, bon toutou. Bonjour. Bonjour. Salut. Salut les gars. Je cherche à récupérer des trucs là en passant. C'est plein. Salut, salut. Ok. Je passe devant toi. Hein. Ah, crame les messieurs là. Vous avez pas encore fini? Non, on procède étage par étage. Il reste du matos là-dedans. Ouais. Il nous reste encore pas mal d'étages à vider. Oh, bonne chance. Salut. Abby. Ils t'ont transféré toi aussi? Ah, ouais. Celle qui joue à la PSP. J'ai besoin de matériel médical. Tu viens me dire où ils sont? Abby. Non? Je viens de parler à Isaac. Tu retournes à la base avancée. Laisse-moi contacter Isaac. Tu lui parleras en personne. Tu pars avec le prochain chargement. Désolé. Qu'est-ce que tu fais? Elle a disparu depuis hier. Ah. On va pas se laisser faire quand même. Donne-moi tes mains. Tiens, prends la mienne. Ah non, elle s'est laissée faire. Elle s'est laissée faire. Hey! Hey! Détachez-moi, putain! Arrête, tu vas te déboîter l'épaule. Tiens, Nora. Eh ben, je pensais pas qu'un jour tu serais contre Isaac. T'as trouvé Owen à l'aquarium? Whip. J'ai parlé à Manny. Il me faut du matériel médical. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Syndrome des loges. Son bras est foutu. Tu vas pas le soigner, j'espère. Ce sera Mel. On n'a pas beaucoup de temps. Putain. La plupart de ces trucs ont déjà été emballés et déplacés. Quoi? On n'a pas encore vidé les étages inférieurs. Il y aura ce qu'il me faut. Ouais, sûrement, mais... ça va être difficile, tu sais. Je m'en sortirai. Ça promet. S'il t'attrape, tu ne m'as jamais vu, d'accord? Ouais, bien sûr. Ouais, jamais, jamais. Bon, suis-moi. Noblemo. Noblemo. Le syndrome des loges. Putain. Ouais. Il a de la chance de sortir avec un médecin. Ouais. Comment va Mel? Bien. Tu parles trop là. Elle était vraiment mal après qu'Isaac lui a parlé. Isaac lui a parlé? Quand il a appris que vous aviez quitté la base, Isaac nous a tous interrogés. Il a pas été tendre. Quelqu'un a parlé? Non. Et on va s'arrêter là. La suite au prochain épisode qui risque d'être bouillantissime. Abby est enfin arrivée à l'hôpital après moult aventures à travers les passerelles avec Lev, le frère de je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a le bras complètement explosé. Et donc Nora va tenter d'aider Abby, car Abby lui a menti en disant que c'était Owen qui était blessé. La musique se met à faire du bruit et je sens que ça va être tendu. 28 heures de jeu, on est peut-être qu'à la moitié. On prend tellement le temps de tout scruter qu'on est vraiment pas mal. Je pense qu'il devrait y avoir 35 heures de jeu, je pense. Je pense que, ouais, on a attaqué la deuxième partie et qu'il y aura donc un jour 2 et un jour 3, ce qui paraît logique pour faire comme Ellie, mais vraiment Ellie me manque, moi. Dans le jeu, il y a vraiment un manquement quand même de pas jouer Ellie, quoi. Abby c'est sympa, mais bon, ça ne fait toucher d'autres armes, mais quand même, il manque ce truc, quoi. Mais bon. Allez, merci d'avoir suivi ce live et les épisodes sur YouTube. Je vous dis à très vite pour la suite de The Last of Us Part 2. Si vous sortez
Faites attention, protégez-vous et n'hésitez pas à boire quand il fait chaud. Salut à tous, c'était Aketo87. Ciao, ciao.